saison d'exception qui se prépare. De nombreuses nouvelles équipes de toutes races et de tous horizons débarquent actuellement des quatre coins du vieux monde pour participer à cette prestigieuse compétition. J'ai entendu dire que les organisateurs s'étaient arrangés avec certaines équipes qui ont eu la noblesse de mettre leur plus beau stade à disposition. Regardez, même les morts vivants ont nettoyé leur plus belle crypte pour l'occasion. Ah, ces nouveaux stades ne sont certainement pas trop pour accueillir toutes ces nouvelles équipes. Il en vient des quatre coins du monde, des froides contrées nordiques, aux déserts les plus arides. Même les morts sont au rendez-vous. Pensons également à prévoir quelques fleurs. J'ai cru comprendre que des demoiselles se sont inscrites. Ne vous fiez pas aux apparences, ce sont de vraies furies. Même les amateurs de beaux jeux ne sont pas en reste. Mercenaires ou hauts dignitaires, des elfes de tous bords sont également de la partie. Voilà qui nous assure un spectacle exceptionnel. Vivant ou mort, homme ou femme, valets ou minus, ils n'ont qu'à bien se tenir, car c'est l'heure du Blood Bowl. Bonjour et bienvenue à tous pour ce 9e épisode de Blood Bowl Coast Edition, les déboires d'un co, toujours présenté par Barzac et toujours en exclusivité pour BlackU.fr. Alors, d'abord, je m'excuse pour le mois de janvier qui a été pourri. Ça, parce que YouTube nous en... beaucoup, et que je suis tombé malade. Et oui, à force de jouer dans le Grand Nord, j'ai chopé la grippe, pendant en tout cas 2 semaines. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu le droit à vos doses de Blood Bowl. Alors, on va reprendre tout de suite par la feuille d'équipe. Une petite montée de niveau. Voilà. Compétence, grand classique, blocage. On va dépenser un peu de sous-sous. Non, relance pas. Poticaire, je peux pas prendre plus que d'un, hélas. Pompom, on a 4. Je prends des assistants pour faciliter le début du coup d'envoi. Allez, prends 2. Comme ça, il nous reste 50 000. Donc, si on a 10 000, un joueur qui tombe, on peut changer. Et sinon, on espère faire 70 000, comme ça, on aura déjà une 4ème lance, qui serait énorme. Alors, contre qui on va se battre? Contre... Nurgle! Wunderbar! Contre une équipe de Nurgle. Donc, Nurgle, c'est une équipe du chaos, mais qui est affiliée directement à un des grands dieux du chaos, qui est Nurgle. Nurgle, c'est quoi? Pourriture, maladie... genre de choses, c'est des gars complètement pourris. Comme vous voyez, gars, ils ont même des joueurs qui s'appellent des pourris. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par contre? Voilà, bien ce qui me semblait. Ils ont pas des joueurs avec très haut niveau, ils ont beaucoup de joueurs de niveau. Ça, ça pourrait être un avantage pour nous. Maintenant, on va vite voir ça. Donc, on a ce qu'appelle littéralement la bête d'honneur. Comme vous voyez, c'est à peu près un grand, n'importe quoi. C'est une limace mutante à bras et à tentacules. Hein. Mais cette saloperie a quand même 4 en mouvement, 5 de force, 1 d'agilité, 9 d'armure. Putain, ils ont mis au blindage ce machin. Ah non, c'est un invertébré, si on fout de prendre des coups, on peut pas lui casser les os. Donc il a solitaire, ça on commence à connaître, présence perturbante. Ça c'est un truc qui fait chier ça, en bon français. Donc la présence du joueur est particulièrement perturbante. Toujours doit soustraire 1 du D6 lorsqu'il passe, intercepte ou attrape le ballon à côté de ce machin. Je me demandais pourquoi il est perturbant. Répulsion. Ça, c'est la pire truc. C'est soit ça fonctionne et ça fait chier tout le match, soit ça fonctionne pas et on est tranquille. Hein, l'apparence du joueur est tellement horrible que tout joueur adverse souhaitant effectuer un blocage contre ce joueur, utiliser une attaque spéciale en remplaçant le blocage, comme un blitz, doit d'abord lancer un D6 et obtenir un résultat de 2 ou plus. Si le résultat est de 1, le joueur est trop dégoûté pour faire le blocage. Donc il ne fait rien. Mais il ne subit pas un turnover. Il fait rien, il fait chez moi. Pourriture de Nurgle. C'est-à-dire que si tu as un joueur, il fait revenir un dans son équipe en tant que pourri. Bon débile, pas besoin de demander ce que ça fait. Régénération. Ça veut dire que lui, il se fait se prendre des dégâts, genre il peut être blessé, mais il peut se relever. Donc, petit care, pas léger. Sortie du jet d'apothicaire, il est autorisé sur un résultat de 1 à 3 du joueur, subit le résultat de la blessure, sur un résultat de 4 et 6 joueurs, régénère et se place en casse de réserve de la force. Tentacule, c'est compliqué, mais c'est simple. Plus le joueur qui a de force,
plus il y a de sens d'empêcher le joueur adverse de bouger, parce que c'est un jeu opposé. Donc le joueur peut utiliser cette compétence quand un joueur adversaire est de sortir de sa zone de tacle, de sortir en esquivant ou en sautant. Le coach adversaire dans 2d6 ajoute la force de son joueur. Donc plus il a de force lui, plus je veux dire, lui, la bébête là, la grosse bébête là, plus elle empêchera l'autre de bouger. Et plus l'autre a une force faible, moins elle pourra bouger. Parce qu'après ça fait force du joueur au résultat. Et on soustrait la force au joueur avec des tentacules. Si le résultat final est inférieur ou égal à 5, le joueur en mouvement est immobilisé. Et son action prend fin immédiatement. Donc, lui, plus il a de force, moins les autres pourront bouger. Et avec tentacules. Ceux qui ont tentacules. Oui, vous verrez ça en pratique. De toute façon, c'est prévu que j'en prenne. Donc vous verrez ça en pratique. L'explication est très foreuse, mais bon. Compétence blocage, pas besoin de demander ce que ça fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a? Pestigore. C'est des hommes bêtes pestiférés, en bon français. Donc plus 1 de force, tiens. Il a quoi? Pourriture de nerf, régénération, corne, j'ai dit c'est. Mouvement 6, force le 4, oui, parce que c'est un. Point, JT3, je dis c'est des hommes bêtes pestiférés, hein. Pestigore. Qu'est-ce qu'il a encore? Le Pestigore, un guerrier de nerf. C'est un guerrier du chaos, mais pour nerf. Même chose, présence perturbante, merci, répulsion. Pourriture d'honneur, régénération. Et un mouvement. Ça, c'est très très chiant. Mais c'est comme des guerriers du chaos classiques. Bon, lui, il a un mouvement en plus. On a quoi? Hop là. Donc, on a fait le tour. Il a encore un guerrier neuf, agilité. Il a un pourri niveau 2 avec répulsion. Décomposition, pourriture d'honneur. Donc, un mouvement 5. Un mouvement moindre. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment moindres que les pestigores? Attends. Force 3, agilité 3. Armure 8. Donc, c'est. C'est du bon quoi, c'est du chaos. Hein. Ainsi, ils sont un peu moins rapides. Et ils ont surtout, si j'ai bien vu, 200 000 de liquide. C'est affreux. Allez, on sait là. 200 000. Donc c'est devant cette équipe que nous allons nous lancer au combat. Voilà, eux. Voilà, ils ont inspiré. De toute façon, une équipe moins bonne que la nôtre, vu la quantité de pom-pom girl, de gens qu'on a, de l'apothicaire, l'autre. Et en plus, on a une équipe avec des joueurs qui ont. Au niveau, donc lui là 1130 en plus de fric. Non, on a pas assez de sous pour s'amuser à ça. Donc voilà, eux il a pris quoi? Un entraînement complémentaire, donc il y a une relance en plus par mi-temps. Donc nous on est parti pour le match. Bon, désolé pour cette petite coupure, problème technique. Alors, on est reparti. Ils ont quoi? Ils ont juste 4 relances par rapport à nous. Donc, on est déjà pas mal. On aura un peu plus de chance pour le pour lancement du match. Bon. Nurgle. Ah, mais non! Encore le Nord, mais j'en ai marre. J'ai posé un proté, moi. Bon, je disais Nurgle, une équipe équivalente. Celle du chaos, extrêmement puissante physiquement, avec cette satanée répulsion qui peut foutre une merde mondiale sur le terrain. Regardez, voilà, il va avoir une ligne, il va nous mettre une ligne centrale. Regardez, une centrale qu'avec la répulsion, ça va être fantastique. Allez, on est parti, hop là. On peut se déplacer si on veut, non, on sera bien. Donc, ligne de front classique, on a mis du lourd, parce qu'on a du lourd en face, avec deux hommes bêtes sur les côtés. Tiens, il a déjà le ballon. Avec ses... Regardez toutes ces répulsions là, ça va être le bordel. Voilà. Donc, il attaque par la droite. Il va commencer à distribuer des nions. Donc, il repousse mon guerrier du chaos. Charge de l'adversaire. Aïe, sur mon petit Fritz. Fritz mange déjà la neige, c'est pas bon. Alors ensuite, infiltration chez nous d'un guerrier pourri, hein. Je pense que c'est des pourris cette équipe. Il est... Ah, gros débile, ça c'est bon pour nous. Ça c'est bien, un renfort avec ses pestigores. Encore un guerrier d'Ico qui approche. Aïe. Et un guerrier d'Ico nous à terre. Alors nous on est reparti pour mettre une belle charge. Allez, vas-y mon gros. Bam! Et une belle mise au sol, comme ça on est juste à côté du porteur du ballon. C'est parfait. Donc on va continuer le festival. On est debout. Repart au combat, c'est pas le moment de dormir.
celui-là. Pour cogner, qu'est-ce qu'on a là encore qu'on peut amener? Ouais, lui, lui, ça serait pas mal. Je peux pas aller. Ah! Esquive, non. Bon, alors, toi. Allez, à côté, comme ça, on est à 2D. Lui. Il faut qu'on avance un peu. Juste pour empêcher. Pour renforcer un peu la ligne centrale, vu qu'on a pas assez de joueurs. Lui il se met derrière, s'il part le plus grand des hasards, il passe. Et on va pouvoir commencer la distribution de Nyon. Voilà, et un défenseur bousculé. Allez, vas-y. Oh, pas bon. Moi qui voulais amener. Ah, celui de la gauche, plus l'impossible. Là, on est un. Bref, il y a une esquive à faire. Là. Attends. Est-ce que je peux cogner encore de ce côté? Oui. Heureusement qu'on a un blocage. Ouh, et on commence. Et une sortie. Premier tour, première sortie. C'est bien ça. C'est bien. Ça. Allez. Allez, on tente le coup, mais non. Voilà. Et là, la double sortie, une sortie pour nous, une sortie pour lui. Non, pour lui, pour nous. Je vais pas créer déjà juste pour ça. En début de match, on a une équipe pourrine. Le risque est trop important. Oh, misère. Et encore un qui mange la poussière chez moi. Ce qui fait qu'il a quand même un beau trou dans le centre. Heureusement j'en ai mis au milieu là pour l'embêter. On va pas faire l'enfeu, le pauvre comme il va trouver. Alors, qu'est-ce qu'il tente? Tentative de charge, c'est mon bœuf. Ouais, c'est juste poussé, ça suffit pas. Mais là, il est. Oui, là le centre, là, il passe au milieu, il est bon là. Là ils m'ont bien mis à terre, ouais, exactement. Pourquoi il recule? Moi pas comprendre, lui reculer, moi pas comprendre. Tu vas m'expliquer? Parce que moi pas comprendre là. Qu'est-ce qu'il fout? Ce qui fait que toi, tu peux aller commencer à embêter le porteur du ballon. Bon, c'est contre un test, celui-là. Oui, ça c'est bien pour nous. Ce qui fait que lui va pouvoir aussi aller. Le porteur du ballon. Ensuite, on relève ce qui traîne. Allez. Non, non, je peux tout, je peux pas. Il y a l'autre qui est à côté, donc ça sert à rien que je m'embête. Bon, maintenant, lui, on va aussi passer à l'attaque, vu que la puissance d'agilité, on va pouvoir mettre le TD. Ouais. Oui. Ouais, ouais, allez. Zo. Et lui en dessous. Tiens, comme ça, il peut passer. Oui, oui, il peut passer. Oui, oui, il y a deux esquives à faire. Bon, il y a plus en agilité, mais il va réussir. Mais avant, on va nettoyer un peu. Ouais, va avec le dé. Oh là là. Et j'ai pas blocage. Une relance grillée. Oh! Blessure! Et pas de régénération aussi. Oui, non, non, régène. Youhou. Chez moi, c'est chez lui. Oh, régène. Ah, oh, il a du bol. Bon, continue le massacre. Ah non, je peux pas tellement charger, je dois esquiver avec le buff. J'avais esquivé en force, oui, mais non. On pousse, voilà. Maintenant tu mets à terre. Voilà. Maintenant t'as compris. Voilà. Ce qui fait que lui. Pas propre, j'ai même pas une esquive. Il a quand même 4 d'agilité, hein. Putain! T'as 2 pieds gauche. Oh! T'as 4 d'agilité, mon gars. Je crois pas. Ça, fallait s'y attendre. Mais j'ai toujours. Je peux charger avec l'autre. Non plus maintenant. Ah bah si, hein. Avec le guerrier du chaos en bas. S'il relève pas le sien, on est bon. Il cage. Parce qu'il veut repasser sur le gauche.
sortie, une triple sortie suite à un magnifique tacle à la jugulaire. Ça, c'est méga. Allez, encore un de moins. Regardez. Non, pas de dérouge, non. Mais par contre, je pourrais approcher. Je pourrais approcher. Est-ce que j'ai un joueur que je peux approcher? Non, là, j'ai... Oui. Donc, oui, on approche lui. On va voir si on peut... Ouais, regardez, c'est pas terrible, quand même. Est-ce que j'ai un... Oui, 2D, oui, allez, vas-y mon gars. Oui, bousculé, hop là, un qui perd le ballon. Oh, une sortie en plus. Ça c'est bien, ce qui veut dire qu'avec mon autre direct du carreau, on va pouvoir aller s'amuser et toucher du ballon. Bon, ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? On peut faire grand chose dans cette mêlée. 1D, 2D rouge, je marque 1D, on fait pousser, 1D, 2D rouge, moi je suis plutôt pour 1D, mais d'abord est-ce qu'on tente le coup, on va tenter ce coup-là, allez, oui, il a ramassé le ballon, et il est prêt, terre promise en vue, voilà. Et une autre mise au sol. Alors, bah lui peut pas tellement avancer, vu qu'il est au sol. Oh, l'esquive! Magnifique esquive de l'adversaire avec un pourri. Tous pourris, cette équipe. Oh, double blocage. Avec la bête de Nurkle. Et encore nos joueurs qui bouffent la poussière. Donc au moins, ça lui en fait deux pour la prochaine fois. On est en supériorité de ce côté. Ensuite, ouais, bah, faut relever ce qui traîne. Ensuite, bah, on va charger pour nettoyer notre porteur de ballon. Fantastique. Et un qui bouffe la poussière. Lui, il part directement vers la terre promise. Et avec notre ami Fritz. Ah, attends, on va voir si on peut nettoyer d'abord. J'aurais bien aimé mettre un garde du corps là. Il y a du chaos, mais ça aurait été prudent. Bon. Par où on attaque Son YSN autour. Vive blocage. Bon là, j'ai au moins assez de monde qui est près du porteur du ballon, qui fait un marquage. On va dire de loin, mais vu qu'on a mis pas mal de joueurs au sol, ça va aller. Hein? Quoi? Une main sauvage. Oh non. Dépenser ça pour ça. De toute façon, il tient au corps, marquage au corps, ça me suffit amplement. Et encore un qui bouffe la poussière. Voilà, comme ça, je vais peut-être pouvoir utiliser mon truc autre chose. On tente avec un. Allez, soyons joueurs. On va créer une relance. Déjà. Alors, nous sommes en 4ème tour, on a créé nos 3 relances. C'est super. Fin de première mi-temps, ça va être beau. Charge de l'adversaire. Mise au sol. Va être difficile de jouer la ligne de marque avec mon guerrier. Il s'approche beaucoup là. Alors, mais on a du monde sur la gauche qui peut pas bouger. Je crois pas, il veut pas se lever. Ah, et oui, il y en a deux qui se lèvent là comme par hasard.
Oh. On va attendre un mi-temps. Ça, ça me fait royalement chelou. Faut pas dire chier. Bon, on est parti. Oh là là, faut refaire la ligne qu'il manque un joueur. Donc, bon, on va essayer de remettre du Kerelika où on peut. Bon, on va mettre ça comme ça. Non, c'est mieux qu'il soit près de la ligne centrale. Alors, toi, tu reviens à ta position. Désolé. c'est le froid du nord. Bon. Voilà. Là, on est prêt pour repartir pour la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Oh là là là. J'anticipe. Et du rebond. Ça va bien ça. Ah non, trop près. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter de passer par la gauche, vu que la main du monde par la gauche. Il va essayer de faire un trou par la gauche pour passer par là. Ah non. Oh bien. Il amène du monde par la gauche, puis il ramène son joueur à la droite. D'accord. Peut-être tromper l'ennemi, comme on dit. Allez, bouge. Non mais il veut carrément faire un trou sur mon central. Aïe, KO. Oui, j'ai besoin. La guérir du KO. Guérir du KO. KO, ça le va pas. Ça le fait pas. Donc, j'ai besoin de joueurs. Un homme bête à la limite. Mais là, moi, faut espérer qu'il me fasse pas de blessure en deuxième temps. Guérir du KO. KO. Non, ça, je veux pas. Il fait des trous partout, lui. Il fait des trous dans ma défense. Oh là là, il y a deux joueurs à son nom au milieu du terrain. GG. On peut pas, ouais, on peut que charger sur lui, allez. Allez. Oui, allez, vas-y. Oui. Et comme ça, on a un buff. Lui, ben, il fait un pas en avant. Non, on peut pas faire deux là, un seul. On va rapprocher lui parce qu'il faut pas qu'il bouge avec son porteur ballon. Ensuite, lui, toi, faut que tu rapproches de la ligne pour qu'on tienne la défense. Toi, debout. Tenir la défense encore de rond. C'est tout ce qu'on a à faire. Jusqu'à la mi-temps. Ouais, c'est une hypothétique sortie. S'il me sort, je ne sais par où. Au moins, mais il y a au grain de ce côté. Ben ouais, on est obligé de tenir l'ennemi, hein. Non. Ouais, exactement, ouais. On aurait pas dû, mais bon. Tentez pas pu, quoi. Ouais. Bon, maintenant il fait quoi? Rune 7. Oh aïe, bobo. Aïe, ça fait pas bien, ça c'est pas bon. Il a quoi? Je m'en fous, il a quoi? Montre-toi. Allez, qu'est-ce que tu as? Commotion, la plus légère des blessures. Bon, il sera stone pour tout le match. Eh bah oui, là, regardez, heureusement que j'en ai mis un derrière, près de la ligne gauche pour pouvoir charger. Pour empêcher qu'il puisse marquer. Oh oui. Et il a loupé la mise de paquet, c'est bon pour nous. Bon, on a eu du bol là parce qu'on a eu la plus légère de toutes les blessures qui est possible d'avoir. Qui est la commotion. Plus haut, c'était de nouveau un joueur à la poubelle. Hein. Et là, ça commence à faire chaud parce que c'est un joueur qui est au moins... qui est peut-être niveau 2, donc il faut lui refaire monter son expérience. Et là, ça vient très chiant. Bon, là, on a réussi à le sortir. Là, ça vient de critique. Lui, il peut pas, donc on va essayer de cogner là. Oh, misère et sauvage. Qu'est-ce que je peux relever? Allez, debout. Oh là là. On a quand même un peu chaud parce que bon, il n'y arrivera pas là vraiment. Il a trop de distance à faire pour lui mettre le touchdown. Là, regardez, hein. Pardon, même en mettant le paquet, il n'arrivera pas à le faire alors. Non. On le met à côté. Il doit faire une passe, mais il n'y a personne qui est assez près. Donc, on est safe. Là, on est safe. On a eu un petit peu chaud là pour le joueur, mais là, on risque pas grand chose.
On tente le coup comme d'habitude. On verra bien. Allez, un déplacé. Non, non, on fait que bouger sa ligne. Hop, hop, hop. Attends, attends. Au mieux. Ah, au mieux, j'ai un dé quand même. Oh. Allez, une petite blessure. Oh non. Qu'est-ce que tu tentes dans ton huitième? Voilà, mais tu peux pas mettre de touchdown. T'es trop court, même en mettant le paquet. J'avais calculé juste pour mettre mon touchdown. Il restait plus assez de runes pour lui. Il faut juste tenir. Et là, on est bon. Allez, on est tranquille pour la fin de la première mi-temps. S'il vous plaît, pas encore une blessure. C'est tout ce que je crains le plus. Allez. Allez, passe ton tour. Laisse-moi jouer. Plutôt, laisse-moi finir la première mi-temps. Allez. Allez, bouge-toi. On n'a pas que ça qu'à faire, hein. J'ai encore un match à gagner, moi. Allez, les Norbiel. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge sa bête. Bon. Allez. Oh. Arrête, tu te fais du mal pour rien. C'est fini. C'est fini la première mi-temps. Arrête. Bien fait pour ta. Bien fait pour ta jeune. Voilà. Allez. Nous. On finit la mi-temps. Voilà. Bonjour mademoiselle. Oui. Ah, on a au moins un qui se relève. Désolé pour la coupure d'avant, c'est quelques soucis de frappe. Qui a décidé de tourner plus qu'à 9 FPS. Pour ça qu'il y a une coupure. Bon, on va reprendre cette deuxième mi-temps. Allez. Nous, on reçoit. Donc on prépare la réception. Allez, on est parti, envoie le ballon, mon gars. Oh non! Invasion du terrain, chaque coach effectue un jet de dépôt. Chaque résultat sur le terrain, il ajoute sa fame. Donc, si sous plus, les joueurs auraient sonné. Les joueurs qui l'ont pété enchaîné et boulé sont immédiatement au KO. G. 1 avant l'ajout d'encadrement. On n'aura jamais d'effet. Grosso modo, il nous balance des cailloux sur le terrain. On va voir qui c'est qui vit ou pas. Voilà, annoncer carrément les supporters qui débarquent pour nous cogner. Et pourtant, on en a une fame plus intéressante que les autres. Et j'ai quand même 1, 2, 3, 4 joueurs au sol. Et lui, il en a un. Pourtant, j'ai plus de réputation que lui. Et on cogne sur le KO. Merci, parce qu'on mène à 0. Hein. Je suis sûr que c'est ce supporter qui sont venus nous frapper dessus plus fort. Oh, miséricorde. Bien, regardez où il est le ballon. Oh, punain, j'ai pas vu où il était le ballon. Oh là là, bon ben, oh là là, c'est la merde, c'est la merde ce genre d'événement, surtout quand c'est toi qui ramasse. Mon spécialiste ballon, il est au sol. Oh là 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 là, faut voir cager, oh là là, c'est pas bon. C'est une mauvaise deuxième mi-temps qui commence mal. Parce que là, bon, on est près de la ligne, près de la ligne du milieu, mais bon, vous voyez où on en est. Seul joueur qui est devant lui au sol. Vas-y, récupère le ballon. Ah, ah. J'allais dire voilà, mais non, faut encore créer une relance. Bon. Non, non, tu vas pas bouger, toi. Tu on tente même pas le coup, ça vaut même pas la peine. Yeah! Vive répulsion! Oh, misère. Oh là là, j'ai des trous dans ma ligne centrale. Voilà, au moins lui, il est au sol. Lui, il ne frappe pas, chleu. Ah mais bah oui, on a le monstre trou. J'ai oublié de boucher ce trou là en plus. Oh miséricorde, quand j'ai refait ma ligne de... Oh là là là.
Oh miséricorde, on est mal parti. Regardez, on est déjà entouré de joueurs adverses. Ça va être une de ces mêlées au milieu, mais je vous raconte pas. Oh là 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 là. Et pour sortir de ce bourbier, ça va être quelque chose, je vous dis pas. Bon, 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 t'as fini, toi? Que je puisse tenter de sortir de cet enfer. Allez, pour relever ceux qui ont décidé de pioncer. Début de deuxième mi-temps. On peut m'en approcher un peu. Allez, on se bouge. Faut qu'on empêche que d'autres joueurs arrivent dans cette mêlée infernale. Ça va être épique là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dégager? C'est génial, j'ai que du 1D partout. Ah non, là j'ai moins du 2D. Oh! Blessure! Blessure, c'est beau! Oh! Et régénération! Canard! C'est ça le gros avantage de Nurgle. C'est que lui, même s'il sort du terrain, il peut encore rejouer. Aïe aïe aïe. On a toujours, hein? J'ai de la peine. Attends, oui, mais ça, c'est à l'adversaire celui qui est à côté, hein? Ouais, c'est un pestigore. Je confonds avec mes hommes bêtes. Hein. C'est vrai qu'en vue aérienne, ils se ressemblent beaucoup. Bon, on va pas tellement pouvoir bouger ce que je voulais bouger. Parce que si je pars à droite ou à gauche, j'ai personne pour le suivre. Donc, c'est la dèche. Ah, j'aime pas les consommer. Oh! C'est bon ça, non, 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 non. Au moins il fait bouger mon ça. Est-ce que ça vaut l'intérêt que je le bouge? Ouais, pas tellement. La châtaigne, lui, aïe. Oh là là, puis c'est mon mignon, lui. Oh là là, c'est mon porteur de ballon. Oh là 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 là. Oh, récupération loupée, c'est ça quand on a deux mains gauches. Oh, puis en plus, il peut pas se relever. Oh la merde. Oui, en plus en charge. Oui, merci beaucoup. Bon, il faut dégager ce qu'on peut. Ça vient compliqué, ouais. Toi, de ce côté, je préfère. Oh là 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 là. Non, mais attends, 5 plus, merci, hein. Debout, ouais, toi, debout. Fois avec quoi on cogne sur qui? Voilà, comme ça, ça dégage un peu. Faut vraiment qu'il gagne l'expérience, si je parce que là, il m'embête. Là. Le port blocage, c'est la totale et absolue. Non, 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 non. Il y a des skis, faut pas dessouder. On dessoude ce qu'on peut. Voilà, comme ça, on peut bouger ce crota. Punaise, toujours de les rouges. Toi, mon gros. Voilà. Pousse. Comme ça, on dégage le ballon. Pousse encore. Voilà, comme ça, on a déjà dégagé le ballon du plus gros. Du coup, on ne tente pas le coup. On déborde. Nettoyer ce côté. Là. Non, on va le laisser là. Parce que c'est. Toi, non. Mais lui, on va tenter la charge. Prise de ballon. Prise de ballon ou charge.
quelque chose là, faut qu'on tente quelque chose. Allez. Oui, oui, allez, vas-y. Yeah. Ça c'est beau, quel bain, magnifique action, double esquive et charge l'adversaire. Et récupération du ballon, fantastique ça. Ça c'est beau, ça c'est une magnifique action. Rondement mené, rondement mené. Maintenant faut confirmer. Maintenant faut confirmer. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Ouais, confirmé. Là, on a confirmé qu'on va pas aller très loin que le ballon. Misère. Bon. Nettoie ce qu'il y a autour, s'il te plaît. Voilà. On va continuer la séance de nettoyage. Attention, c'est celui qui a le plus d'agilité. Je peux pas cogner, moi, il vient de se relever, c'est pour ça. Allez. Oui. Non. 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 Ouais, on va plutôt finir ce retour. Mettre au sol un maximum de personnes. Mais non, j'ai déjà relevé. Et lui, oh, misère. C'est... Bon, on va essayer. C'est la haine, finale. Au moins poussé. Comme ça, il nous en mettra moins. Ce qui fait qu'on peut envoyer lui en protection. Comment ça, j'ai encore... Oh, misère. Il y en a encore un de debout. Voilà. Toi, tu peux aller chercher le ballon. Comme ça on peut partir et celui-là il peut jouer au bodyguard. Et on est bien parti là. 12e round. On est bon et là on a un dé enfin. Oui. Oh oui. Sextuple sorti, sorti de la bête de Nurgle assommé, hein. Ça c'est pour toi et Jake. Et une bête de Nurgle dehors. Désolé de ne pas l'avoir tué, hein. Spécial dédicace, hein. À un autre... Oh non. Ah si. Cette dédicace est à Jake. Oh, encore qui ça. Octube sorti, la boucherie. Spécial dédicace à Jake de aussi de playactu.fr. Qui fait aussi des vidéos et qui apprécie énormément mes vidéos de Blue Bowl. J'aurais bien aimé le tuer, hein. Je te le jure. Hein. Bon, et ben on est bien parti pour mettre le deuxième touchdown et gagner ce match contre des Nurgles puissants qui ont été efficaces quand même en fin de première mi-temps, mais on a su gérer. Bon, je rends peut-être la peau de l'ours un peu tôt, mais la terre promise est plus qu'on veut, mais je me fais pas trop de soucis. Je devrais me faire du souci. Beaucoup. Voilà. J'ai parlé trop vite. Aïe aïe aïe. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé beaucoup trop vite. J'étais très présomptueux sur ce coup-là. Au moins ça. Bon. On tente une esquive. Esquive TD. On va tenter esquive touchdown. Et avant ça, on va ramener le maximum de joueurs. Si par le plus grand des hasards on se plante, pour assurer la récupération du ballon à la main de l'adversaire. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui a de la place. Donc on ramène un maximum pour faire une défense en air. Alors on va tenter esquive touchdown. Touchdown. Donc on va ramener du monde.
C'est un maximum, c'est une double protection si on arrive pas. Parce que l'on va tenter ce gift touchdown. Allez, allez. Oh, allez. Ouais, 3 sur 1. Ouais, ouais. Très, très fair play. Allez. Air promise. Oh oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. 2-0. Ça, c'est un match réglé. Non. On peut essayer de mettre un touchdown. On risque rien. Salut, demoiselle. Donc, non, il sera juste stone pour un match. Hein. Même pas. Je crois que je le récupère pour le prochain. Je dis, c'est heureusement s'il y a plus petit des blessures. On est bon. Non, on est très bon. Pour compenser le trou, de toute façon, on va faire défendre. Le reste nous importe peu. Allez, tant qu'il n'y a pas encore une blessure, et c'est bon. Et vu qu'il n'a pas la bête, ce qui fait qu'il a une défense centrale diminuée, comme on peut le voir. Et encore, et un autre magnifique tacle à la jugulaire. Vas-y mon gars, comme ça on sera très près du porteur du ballon. On serait peut-être, mettre un troisième. Mais ça risque d'être difficile. Mais c'est envisageable. Allez, alors. Je verrai rien. Pas besoin de mettre des skiffs pour rien. Allez, on approche gentiment, mais sûrement, d'une magnifique victoire. Voilà. Et encore un petit peu de la poussière. Avec un peu de neige par-dessus. J'adore blocage. J'aime encore plus blocage. Ça devrait être porté au panthéon du Blood Bowl, cette compétence. Et quoi le pourri? Oh, double commotion. Ouh, un match de loupé. Voilà, vas-y. Essaye de faire quelque chose. On rigole. Allez, vas-y. Ouh, mon bof. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Et encore un qui est sorti. Oh, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Il peut pas mettre de TD. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, oui. Et voilà. Encore un magnifique tacle qui fait que se termine ce match de Blood Bowl sur un magnifique 2-0 pour The War Machine. La machine de guerre est de nouveau très bien lancée pour emporter une deuxième coupe. Allez, ciao.
Ouf, ce fut dur. Ce fut dur. Oh là là. Match dur compliqué. 40 000. Je suis joueur. Oui, je relance. Hein ? Oh mais non. J'oublie toujours que si je dis non, je refuse le montant, je dis oui, j'accepte le montant. Bon. Bon, que dire ? Match difficile. On a bien dégusté. Donc, on n'a que 44% de possession du ballon. On est comme occupé 74% du terrain adverse, mais on a quand même eu chaud en fin de première mi-temps. Heureusement que le timing des tours arrivait au bout, parce que sinon on était à la mi-temps. On a quand même eu une sortie délicate. Heureusement que c'est qu'une commotion. Il va louper un match, grand maximum. Pas de séquelles à long terme. On a eu chaud. On a quand même réussi à faire une partie de l'objectif spécial. De sortir la bête de Nurgle, on a pas réussi à la tuer, mais au moins elle a été assommée. Ça, c'est un bon point pour nous. Sinon, ben, 2-0, grand classique, assez difficile. Ils ont pas eu le droit à beaucoup. Leur répulsion n'a pas joué souvent, mais on a quand même pris cher. Ce fut difficile, hein. C'est qu'ils sont physiques et ils ont cette saloperie de répulsion partout qui fout la merde. Et j'avais très peur là à la fin où l'embête était à côté de notre porteur de ballon parce que avec Tentacule on n'aurait pas fait long feu. Mais on a quand même fait hein. On a subi deux plaquages, deux KO subi, une sortie hélas. Par contre, deux plaquages, 6 KO, 3 sorties. Hein. Alors le joueur de match chez nous c'est. Ok, Gragor, je suppose qu'il l'a fait, mais bon. On revient au résultat. Donc c'est sur ce magnifique résultat de 2-0. Qui nous amène à la première place du classement et qui nous met en bonne position pour les playoffs, si je me trompe pas. Merci de nous avoir suivis dans ce match difficile et à la prochaine. Au plaisir.